est-il une discussion qui a laissé David Pujada désemparé. Ce lundi 11 janvier, le journaliste recevait Alain Finkielkraut sur l'antenne de LCI. Et le philosophe a une nouvelle fois dérapé. Alors qu'il évoquait l'affaire Olivier Duhamel, le politologue accusé d'inceste par Camille Kouchner, il a tenu des propos nauséabonds et dérangeants. Quand on essaye de savoir s'il y a eu consentement ou une forme de réciprocité, on vous tombe immédiatement dessus, a commencé le philosophe, avant que David Pujada ne rappelle que dans cette sordide affaire on parle d'un enfant de 14 ans, Victor, le frère de l'autrice de La Familia Grande. Et alors? S'est ensuite exclamé Alain Finkielkraut qui a ajouté, d'abord on parle d'un adolescent, ce n'est pas la même chose, et en plus, même pour spécifier le crime, il faut savoir s'il y a eu consentement. À chaque fois que vous voulez faire une distinction, ça paraît comme une absolution, à chaque fois que vous recherchez la spécificité, on vous accuse à peu près de complicité de crime. Des propos qui ont désemparé le journaliste, tout comme les téléspectateurs, les internautes et la chaîne. Au lendemain de son passage dans 24 heures Pujada, Alain Finkielkraut a été viré de LCI. Selon les informations de Télérama en effet, la chaîne a décidé de stopper sa collaboration avec l'académicien, qui intervenait depuis la rentrée dans l'émission animée par David Pujada, au rythme d'une fois par semaine. Depuis la diffusion de cette séquence, de nombreuses voix se sont élevées contre le philosophe. Dans quel monde vivez-vous, Alain Finkielkraut? Parlez-vous vraiment du consentement entre un adolescent et un membre de sa famille? Vous entretenez l'omerta et le sentiment de culpabilité de l'enfant en suggérant qu'une forme de réciprocité est possible, a écrit Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, sur Twitter. Sur LCI, Alain Finkielkraut a estimé qu'Olivier Duhamel était inexcusable mais a dénoncé le lynchage autour de cette affaire. Une enquête a été ouverte, ce n'est jamais un progrès mais une régression quand une société fait ou refait son unité autour du sacrifice d'une victime expiatoire, cette victime fut-elle coupable? D'autre part, quand la justice sort du prétoire, elle sort en même temps de la civilisation. Voilà pourquoi je parle de lynchage, lançait notamment le philosophe, habitué des polémiques et des sorties plus que douteuses. Il continuait, on s'unit contre lui. Quest ce que si est-il que la justice dans les prétoires? Si est-il instruction à charge et à décharge? Si est-il le contradictoire et si est-il aussi les avocats? Là il n'y a pas d'avocat et il ne peut pas y avoir de contradictoire car ni la victime, ni l'accusé ne parle. Pour rappel, après les révélations de La Familia Grande, Olivier Duhamel a démissionné de son poste de président de la Fondation Nationale des Sciences Politiques. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour viol et agression sexuelle, confiée à la Brigade de protection des mineurs de la Direction régionale de la police judiciaire.